Bonjour tout le monde, c'est Daniel Belvaux. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la salutation du soleil B et on va prendre notre temps vraiment pour la décortiquer au complet. On va vraiment y aller mouvement par mouvement, d'où partir dans le mouvement et tout. J'aime bien prendre mes blocs, tu sais, dans un live que j'ai fait sur Chaturanga, puis j'aime bien le Chaturanga sur les blocs. Fait que je vais même les prendre pour la salutation du soleil B au cas que vous avez manqué ce live-là. Donc, quand on parle d'une salutation de soleil, la première chose, c'est nos pieds. J'ai les orteils collés avec une petite espace entre les talons pour garder ton pied bien droit ici. Les orteils sont ouverts, hein? Tu veux que ton pied soit bien ancré. Oh, je vais juste m'affiner. Juste un petit instant. Et puis, je veux juste vraiment avoir les orteils grandes ouvertes. Gros orteils ensemble, talons séparés. Les bras sont de chaque côté du corps. Je commence avec une colonne bien allongée. Sentez vraiment le grounding, donc l'enracinement des pieds dans le sol. Donc, la première inspiration, on va y aller par respiration. La première inspiration, c'est de lever les bras vers le ciel, amener les paumes ensemble. Ici, souvent, qu'est-ce qui arrive? L'épaule, elle veut lever. Donc, je veux garder l'épaule basse ici. Je ne veux pas trop aller cambrer mon dos. Ça arrive, il y en a des gens qui disent d'aller cambrer le dos. J'aime beaucoup mieux juste penser d'allonger ma colonne ici avec les épaules basses, paumes ensemble, regard au pouce. Donc, ça, c'est ta première inspiration. De là, on s'en vient dans notre expiration. Je plie vers l'avant. Faut avoir les mains ensemble ou les bras de chaque côté, ça ne me dérange pas trop. Par habitude, je l'ai ici. Il y a beaucoup de gens qui font les deux, donc c'est vraiment votre choix. Vous voyez mon dos quand je plie? Il est droit le plus longtemps possible et ensuite finis par arrondir le dos. Fais relâcher dans les genoux, légèrement relâcher la tête. Troisième mouvement, l'inspiration. Donc, l'inspiration, tu penses que ça part de ton sacrum, commence à allonger ton dos une vertèbre à la fois. Souvent, on va emmener les mains au tibia si on manque la flexibilité. Je veux garder la nuque allongée. Le regard est au sol devant. Évitez juste de lever la tête jusqu'en haut. Je trouve que ça fait trop couper la respiration. Donc, à date, les trois premiers mouvements sont quand même simples. Notre quatrième mouvement, c'est notre expiration qui a quand même beaucoup plus de mouvements. Donc, j'inspire, je lève. Expire, tu descends, tu recules tes pieds dans ta planche et tu descends Chaturanga. Donc, tu finis ton expiration quand tu es en bas dans ton push-up. OK? Donc, debout, inspire, un, épaule basse. Expire, mouvement 2, plie vers l'avant. Inspire, mouvement 3, on lève moitié chemin. Expire, 4, plante les mains, recule les pieds, descend Chaturanga, les omoplates collées, active les abdominaux. S'il faut dans votre Chaturanga, vous avez le droit de déposer les genoux. OK? C'est facile de descendre à genoux dans notre Chaturanga aussi. C'est très faisable. Mouvement 5, chien tête en l'air. Donc, ici, de là pour aller dans mon chien tête en l'air, pense mes orteils. Je pousse mes orteils vers l'arrière et je pousse dans les mains. Souvent, les épaules vont avancer ici. Recule les épaules. Tes jambes sont raides. Tes pieds sont raides, ils poussent dans le sol. Recule tes épaules, rotation externe des épaules, regarde droit devant. Ici, c'est là souvent, j'en ai parlé dans le Chaturanga, que la jointure de ton index elle décolle. Je veux garder la jointure de mon index bien ancrée. Et expire, chien à tête baissée. D'ici, on s'en va dans nos guerriers pour notre salutation de soleil B. Donc, pour aller dans ton guerrier, souvent, ce qui arrive, c'est, je vais juste avancer mon pied droit un petit peu, juste pour qu'on voit notre pied, mon pied gauche. Donc, c'est le pied droit qui avance en premier. Souvent, ce que je vois, c'est qu'on va déposer le talon. Donc, ici, je pivote sur mes orteils puis je tourne le talon. Bien porter ton talon pour ouvrir les orteils, pour que ton talon de ton pied gauche soit aligné avec ta hanche gauche. Et de là, tu avances ton pied droit. Donc, mes talons sont largeur des hanches pour mon guerrier 1. OK? Donc, je descends, j'expire, inspire, je monte dans mon chien à tête en l'air, j'active mon transverse. Donc, ma transition de mon chien à tête en l'air à mon chien à tête en bas,
C'est mon transverse. C'est pas juste de je tire puis je swing mon bassin. C'est vraiment une action de mon transverse qui lève mon bassin. Ensuite, j'ouvre mon pied gauche, j'avance mon pied droit, pousse dans les pieds, inspire, lève. Il y a l'option les bras de chaque côté ou les paumes ensemble. Je veux vraiment venir allonger ma colonne, je veux pousser dans ma jambe arrière. J'inspire ici. Ah, avec la prochaine expiration, il y a quand même beaucoup de mouvement, donc il faut contrôler la respiration. Je dépose les mains, je recule la jambe droite. Je descends Chaturanga. Ça, c'est toute la même expiration. Inspire, vous revenez. Chien tête en l'air. Expire, on retourne. Chien tête baissée. Donc, là, ici encore, c'est pas juste mon talon qui est au sol. C'est que j'ouvre mon pied pour que mon talon soit aligné avec ma hanche. J'avance le pied gauche. C'est vraiment important là, de penser d'enraciner dans les pieds pour lever, nombril vers la colonne. Inspire. Finis ton inspiration et expire. Recule ta jambe gauche. Descendez Chaturanga. Inspire. Chien tête en l'air, les épaules en rotation externe. Expire encore. Transverse qui lève. Ensuite, la plupart du temps, on fait 5 respirations ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on avance les pieds aux mains. Vous pouvez prendre des petits temps, un grand pas ou sauter. Je vais prendre un grand pas aujourd'hui. J'avance les pieds pour que mes orteils viennent ensemble, mes talons séparés. Inspire, je lève moitié chemin. Ma colonne s'allonge. Expire, arrondir. Souvent, c'est ici que je vois que les gens ils déroulent une vertèbre à la fois. Je veux vraiment pas. Je veux revenir avec un dos droit. Donc, c'est lève la tête, colonne. Là, mon dos, il est droit. Penture dans les hanches, lève. Bras vers le ciel. Expire, bras de chaque côté du corps. Il y en a qui vont peut-être mettre les mains au centre. C'est correct. OK? Donc, beaucoup de points auxquels penser qui sont très importants. On va le refaire avec une respiration normale, avec les mouvements, comme si on le faisait juste pour leur pratiquer une dernière fois. Puis, je vais essayer de dire le plus de petites choses possibles comme qu'on vient de parler, que j'ai dit lentement. Donc, les bras de chaque côté du corps. Inspire. Lève les bras, garde les épaules basses. Expire, contrôle ton mouvement, plie vers l'avant. Inspire, lève la poitrine, tire les épaules vers l'arrière. Expire, plante les mains, recule les pieds, enracine ta main. Descends Chaturanga. Inspire, chien tête en l'air, jambes fortes. Expire, transverse, travail. Couche chien tête en bas, ouvre la gauche, avance la droite, inspire, lève les bras, expire, amène les mains au sol, recule la droite, descend Chaturanga, inspire, chien tête en l'air, expire, pousse les ischions en diagonale, ouvre la droite, avance la gauche, enracine les pieds, inspire, on lève, expire, reviens, doucement, plie les coudes, descendez Chaturanga. Inspire, chien tête en l'air. Expire, chien tête en bas. 5 respirations. Les doigts, les bras allongés. On va dire que ça fait 5. Expire, avance les pieds aux mains, orteils ensemble, talons séparés. Inspire, lève la poitrine, allonge la colonne. Expire, replie. Pousse dans les pieds, inspire, reviens bien grand, regarde au pouce, épaules basses, et expire, bras de chaque côté. Donc, voilà notre salutation du soleil B. Prenez votre temps, vous pouvez regarder la première variation que je fais, parce que c'est vraiment ça qui va vous aider en fait à le faire. C'est sûr qu'il y a beaucoup de respiration, beaucoup de mouvement. C'est l'important de ralentir la respiration aussi. J'espère que vous avez bien apprécié et que ça va vous aider. À la prochaine. Bye!